Premier ministre, docteur Gary Conille, dans tête une délégation qui vient là-dedans d'un ministre Travaux publics, Transport et Communication, Raphaël Osti, visité jeudi 1er août 2024 la centrale électrique Eparol dans Cité Soleil. Visite sa fête dans l'idée pour discuter avec responsable dans Eparol sur l'importance de participation compagnie ça dans résoudre des problèmes d'électricité dans le pays. Docteur Gary Conille, tu as parlé comme ça dans l'occasion de visite ça en Coutelle. L'objectif commun doit être d'améliorer l'accès à l'électricité pour tous les Haïtiens. Et évidemment, dans cet objectif-là, pour moi, il peut avoir un rôle à jouer aussi. Il n'y a pas de doute. Je vois difficilement, vraiment sur le court terme, comment l'État réalise cet objectif seul. Et voici comment e-power va contribuer à cette vision sur l'avenir. Voilà comment on va aider le gouvernement, le pays, l'État à transitionner vers des énergies renouvelables. Voici comment nous investissons là-dedans. Il y a un objectif commun qu'on doit se donner sur le court terme, les 18 mois de cette période de transition. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce que vous pouvez rassembler même votre compétiteur, d'autres gens intéressés par le secteur, le gouvernement, pour qu'ils puissent définir cette vision commune? Je pense qu'elle est importante. La deuxième chose, je pense qu'il faut laisser aussi une feuille de route très ambitieuse au gouvernement qui va arriver en 2026.